Nouvelle vidéo sur le calcul d'intégration, il s'agit de déterminer grand f, la primitive de petit f, qui est définie par la relation f de x égale à x facteur de 1 moins x carré, sachant que cette primitive doit vérifier grand f de 1 est égal à 0. Vous devez connaître, pour déterminer cette primitive, eh bien les primitives de forme usuelle. Une vidéo en donne le détail. On donne donc cette expression petit f de x égale à x facteur de exponentielle de 1 moins x carré, pour laquelle il va falloir déterminer une primitive. Quand on reconnaît quand on observe la fonction petit f, on voit qu'il y a un produit, x, multiplié par exponentielle de 1 moins x carré. Et, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, il n'y a pas de formule de calcul de primitive aussi simple que pour la dérivabilité. Et lorsqu'on arrive sur des formes complexes, comme ici, une exponentielle, et bien ça fait un petit peu peur, il y a du x carré, et devant il y a un facteur, et bien nécessairement, on doit retomber sur un schéma connu. Donc il faut connaître le tableau avec les schémas des formes usuelles de calcul de primitive. Ce schéma il a été vu dans une vidéo précédente, je vous invite à la revoir si besoin. Et quand on regarde les quatre modèles, les quatre schémas qu'on a à gauche, le seul qui va correspondre à notre exercice ici, où il y a l'exponentielle, ça va être celui-ci. C'est-à-dire que a-t-on dans mon exercice un schéma u' fois e de u. Si jamais j'avais ce schéma-là, alors je pourrais déterminer sa primitive quand grand f serait égal à exponentielle de u. On peut même le dire autrement. On peut se dire qu'à partir du moment, à notre niveau, où on a une primitive à déterminer où il y a une exponentielle, eh bien nécessairement, on voit bien que c'est la seule forme sur laquelle l'exponentielle apparaît, nécessairement, il va y avoir du u' e de u. Alors, si on en revient ici, si on parle de e de u, ça veut dire, appelons u de x, eh bien, la fonction qui est mise en exponentielle, soit 1 moins x au carré. Si j'appelle u de x cette fonction-là, que vaut u' de x? La dérivée de 1 vaut 0, et donc on arrive à moins 2x. Moins 2x, c'est assez proche de x quand même, au facteur moins 2 près. C'est-à-dire que u' de x, e de u de x, est égal à moins 2x multiplié par exponentielle de 1 moins x carré. U' fois e de u est égal à, si je remplace, moins 2x fois exponentielle de 1 moins x carré. Or ici, dans mon énoncé, je n'ai que x facteur de 1 moins x carré. Et le schéma qu'on me propose ici m'en donne moins 2. Du coup, l'idée va être de diviser par moins 2 de chaque côté de mon égalité. Moins 1 demi de u' e de u est égal à exponentielle de 1 moins x carré. L'expression de mon énoncé qui est là, j'ai réussi à la faire coller avec un schéma u' e de u de mon cours. J'ai réussi à faire apparaître dans mon énoncé u' e de u, en mettant un petit coefficient devant multiplicatif, moins 1 demi, peu importe, j'ai bien reconnu u' e de u. Et cette expression-là, u' e de u, lorsque je vais calculer une primitive, je sais que c'est exponentielle de u. On peut le marquer sur la copie, on sait que une primitive de u' exponentielle de u est exponentielle de u, donc grand f de x va être égal à moins 1 demi exponentielle de 1 moins x carré plus c. Car il faut pas oublier que dès qu'on calcule la primitive d'une fonction petit f, la primitive est définie à une constante près. Donc je ne connais pas encore ma constante, une condition initiale m'a été donnée, je m'en servirai après, mais en tout cas, une primitive, ici on est bien à une primitive, elle va être de ce schéma-là, avec le coefficient c, qui est un réel à déterminer éventuellement après. En tout cas, ma fonction grand f va être forcément de ce schéma-là, et si je dérivais cette expression-là, vous pouvez le vérifier si vous n'êtes pas sûr de vous, je calculerai la dérivée de 1 moins 2x carré, ce qui ferait du moins 2x, et j'arriverai en appliquant la dérivée de e de u exactement à mon petit f. Cette fonction-là est donc une primitive. Or, on me dit que grand f de 1 est égal à 0, donc on calcule grand f de 1, qui est égal à moins 1 demi, multiplié par exponentielle de 1 moins 1 au carré, 1 moins 1, exponentielle de 0, plus c. Et ce nombre-là, f de 1, doit être égal à 0. Ceci est exactement équivalent à dire, comme exponentielle de 0 est égal à 1, que moins 1 demi plus c est égal à 0, cela revient à dire que c est égal, tout simplement, à 1 demi. Au final, ma fonction grand f de x, la primitive de la fonction petit f, vérifiant cette condition initiale, f de grand f de 1 est égal à 0, et
grand F est égal à moins 1 demi exponentielle de 1 moins x carré plus 1 demi. Maintenant, on peut dire que c'est la primitive, puisque la constante vaut ici 1 demi. Cet exercice est terminé.